Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera mon top 10 de cette année 2020, qui va reprendre des jeux sortis cette année, mais pas que, ça représente plutôt tous les jeux auxquels j'ai joué et terminé pendant cette année 2020. Il y a des jeux un petit peu plus vieux, tout ça, on va voir un petit peu, je vais vous expliquer. J'espère que cette vidéo va vous plaire, allez, c'est parti. Donc on se retrouve avec ce top 10 de mon année 2020, avec comme je vous ai dit des jeux récents de cette année, mais aussi d'autres qui sont un poil plus vieux, mais que j'ai découvert cette année et qui m'ont vraiment marqué. Par exemple, dans ce top, il n'y aura pas de Ghost of Tsushima, de Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil 3 par exemple, ou bien aussi Yakuza Like a Dragon que je suis en train de faire en ce moment, et je suis vraiment beaucoup trop au début pour donner un avis et inclure ça dans un top 10, même si j'aime beaucoup pour le peu que j'en ai joué. Donc on va commencer tout de suite avec le numéro 10. À la 10e place, on retrouve A Way Out. Donc c'est un jeu uniquement solo, enfin du moins il n'y a pas de online, mais qu'on peut faire à deux sur le même canapé. Ou alors, il y avait un petit système sympa, c'est que un des deux possesseurs pouvait avoir le jeu et l'autre pouvait jouer à distance. Donc par simple invitation. Donc ça c'est plutôt cool, c'est assez récent. C'était lié à la baguette avec Azlight. De souvenirs. Donc c'est un jeu en fait purement narratif, sauf qu'au lieu de faire des choix, c'est une petite aventure, mais c'est à base de QTE, de trucs assez simples. Et en fait, on incarne donc deux mecs qui vont en prison et qui vont être ensemble pour en sortir. Donc voilà, il y a une petite histoire derrière, je ne veux pas vous en spoiler, c'est vraiment le principe même du jeu. Le jeu est vraiment excellent, bien optimisé, seul point négatif, il est assez court. On va dire moins d'une dizaine d'heures, entre 7 et 10 heures. Donc voilà, c'est vraiment le seul point négatif. Moi, j'ai adoré faire l'aventure. En coop, c'est merveilleux. C'est vraiment le genre de jeu que j'adore. Je veux pas trop vous en dire au niveau de l'histoire. C'est vraiment le speech de base. Allez-y, c'est un jeu qui est un petit peu devenu rare. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce qu'il n'y a peut-être pas eu beaucoup de tirages. Mais c'est vraiment un jeu à faire. Allez-y. En 9e place, on va aller du côté de chez Nintendo avec la Switch. C'est un remaster qu'ils ont fait, même un remake on va dire. C'est le Xenoblade Chronicle, premier du nom, qui était sorti à la base sur Wii. Xenoblade Chronicle, vous connaissez, RPG, monde ouvert, très très beau, très luxuriant, très vaste, avec des quêtes assez intéressantes. Voilà, bah, c'est un RPG aussi classique, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus sur l'histoire. C'est aussi le point le plus gros de ce jeu. Il faut y jouer. Il faut vraiment y jouer, c'est clairement un classique du RPG. Moi je l'avais pas fait sur Wii, je l'ai fait sur Switch. Je suis vraiment content. Comptez 70 heures à peu près pour le faire. Mais il y a vraiment de quoi faire des quêtes annexes assez cool. Quoique un peu répétitif, mais assez cool. Voilà, l'histoire superbe. Allez-y, franchement, c'est clairement une valeur sûre. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont fait. Sorti cette année, un collector magnifique. Vraiment très très beau aux petits oignons. On va passer à la 8e place. Avec en 8e place, le Devil May Cry 5. Nouvelles aventures de Dante. Donc ce Devil May Cry 5, c'est un peu un... un plaisir coupable, on va dire, c'est clairement jouissif, on défonce à tout va, on retrouve Dante. Moi, comme je vous avais dit, j'avais joué pas à tous les épisodes, mais j'en avais fait un ou deux sur PS2. Et Devil May Cry 5, c'est vraiment bien. Il y a trois personnages jouables, Dante, Nero et V. Donc franchement, le mix des trois avec trois gameplays complètement différents, mais c'est vraiment très très jouissif. Beaucoup de diversité.
des stages très sympas qu'on peut refaire à l'infini. Vous savez comment que c'est des DMC. Le but, c'est pas vraiment de finir l'histoire, c'est vraiment de refaire les niveaux, avoir les triple S et tout ça. Donc, ça, vous connaissez, je pense. Point positif, comme je vous avais dit à l'époque, c'était que on pouvait revoir toute l'histoire, une rétrospective complète de l'histoire dans le menu principal, et ça c'est super pour se remettre dedans. Ils nous ont refait une sortie sur PS5 avec tous les DLC et tout ça. Bah franchement, allez-y, hein. On peut jouer Virgil, allez-y. Si vous n'avez pas fait ce Devil May Cry 5 sur PS4, prenez-le sur PS5. C'est vraiment un must-have. On passe en 7ème place avec le seul jeu VR de la sélection. C'est vraiment le jeu qui m'a le plus ébloui cette année. C'est le Arizona Sunshine. Donc c'est un jeu en fait d'aventure dans un espèce de désert où on a un personnage qui est un peu seul au monde. On doit survivre à du zombie. Du zombie à crever. On doit crafter des armes. On doit essayer de survivre. Il y a pas mal d'environnements différents. Donc il y a le désert. Mais pas que. Des mines. Des maisons abandonnées, il y a plusieurs trucs. Et ça aussi, excellentissime. C'est mon coup de cœur VR, clairement. C'est vraiment un excellent jeu qui est assez long. Vous comptez quand même une vingtaine d'heures, 15-20 d'heures, facilement, pour en faire le tour rien que de l'histoire principale. Il n'y a pas beaucoup de quêtes annexes, vous me direz. Mais il y a des stands de tir, il y a plusieurs modes. Et franchement, pour du VR, bah, c'est extrêmement bien fait. Vraiment, très très beau. C'est très jouable. Plein de choix d'armes, vraiment must have pour moi. Jusqu'à là, j'ai pas fait non plus des centaines de jeux VR, mais de la 15-20 de jeux que j'ai fait, c'est clairement mon préféré. On va passer à la 6ème place avec un petit jeu, et je pensais pas le mettre si haut dans le top, mais franchement j'ai vraiment tellement apprécié, et je l'ai tellement saigné en très peu de temps, que je l'ai mis à la 6ème place. C'est le Horizon Chase Turbo, un petit jeu en pixel 2,5D on va dire. Donc c'est un jeu de voiture très 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 arcade vu de derrière, où en fait bah voilà, c'est vraiment de la vitesse à l'état pur, mais vraiment en 2,5D. Donc c'est très spécial à l'œil, mais c'est très 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 jouissif. Il y a aussi un système de récompense où on doit récupérer tous les jauges d'essence, tous les drapeaux, et avec ça on a la course à 100%, plus on doit finir premier évidemment. Donc il y a du challenge, il y a du plaisir, au fur et à mesure on débloque des nouveaux stages, il y a beaucoup 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 de stages, et franchement c'est très 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 jouissif. C'était gratuit à un moment sur le PSN, donc voilà, mais honnêtement ça vaut clairement le coup d'y aller et de le prendre. Il y a une version Switch boîte qui est sortie en UK je crois, peut-être même sur PS4, faudrait voir maintenant, mais ça c'est vraiment énorme, de l'arcade auto, vraiment top. On passe au numéro 5. À cette 5ème place, on va retrouver Pokémon version bouclier, mais bon, version IP aussi, moi j'ai fait le bouclier. On retrouve du Pokémon, je vais dire comme à l'époque, même si c'est pas aussi bon pour moi qu'un rouge ou un argent, ou voilà, même un rubis, saphir, c'est vraiment en dessous. Mais c'est un très bon Pokémon depuis de nombreuses années. C'est beaucoup plus simple que les autres. Il n'y a plus le côté challenge. Il y a le multi-ex. Il y a plein de choses qui sont critiquables. Et je dis pas le contraire. C'est peut-être pas le meilleur. Mais pour moi, ça m'a vraiment fait redécouvrir les Pokémon et retomber un peu en enfance. C'est un très bon épisode que j'ai trouvé assez complet. La nouvelle génération est pas dégueulasse. Il y a eu aussi justement le petit scandale autour du Pokédex qui n'était pas complet à 100%. Évidemment, bon voilà. Ils ont fait aussi une version qui est ressortie là avec les DLC, avec une nouvelle île que je n'ai pas fait, donc ça je pourrais pas vous en dire plus. Mais pour moi, Pokémon Bouclier, ça a vraiment été un très bon jeu où j'ai passé de nombreuses heures dessus. J'ai eu plaisir à faire de bout en bout. Donc franchement, allez-y. C'est vraiment un jeu très 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 agréable. On passe au numéro 4. À cette 4ème place, on va mettre Mario Odyssey, encore un jeu Switch. Alors Mario Odyssey, c'est clairement l'ode à Mario 64. En plus beau, en plus grand, en plus de collectibles, plus complet, plus jouissif. Franchement, moi Mario 64, c'était clairement un des musts sur la Nintendo 64 pour moi. C'est un jeu que j'adore. Et là, rejouer à ça sur la Switch, j'ai pris un plaisir incroyable. Le stage avec le dinosaure,
magnifique. Le stage où on a un château dans l'eau, je sais plus le terme. Génial. Énormément de stages. La fin, très très cool. Très très cool pour ceux qui l'ont fait. Voilà, je vous en dis pas plus, pas spoiler, mais bon, c'est des visuels de personnages qui sont sortis un peu partout. Voilà. Mario Odyssey, allez-y, c'est de la bombe, franchement. C'est le meilleur Mario depuis une paire d'années. Franchement, depuis Galaxy, je pense que c'est clairement le meilleur Mario. Très clairement. On passe au numéro 3. Avec à cette troisième place un jeu Star Wars qui a aussi été un petit peu critiqué, mais que moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié, c'est le Star Wars Jedi Fallen Order. Un jeu Star Wars complètement en solo. Donc moi qui avais beaucoup aimé le Battlefront 2 et le 1 qui était complètement multi, là j'ai vraiment adoré ce Star Wars. Nouvelle histoire, nouveau personnage, nouvel endroit, un petit peu à la Soul-like on va dire, mais bon c'est quand même moins corsé. Il y a un petit peu de difficulté, ça c'est clair, mais c'est quand même moins corsé. On peut diminuer la difficulté aussi en cours de partie, donc voilà, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Rien qu'en normal, vous trouverez déjà du challenge. Donc, une histoire vraiment très cool, très bien foutue, assez longue, pas mal de rebondissements, franchement, très sympa. Là, c'est ouvert à une suite, vraiment, c'est clairement ouvert à un 2, et je l'attends. C'est vraiment un jeu qu'il faut faire. Il a beaucoup baissé maintenant, vous pouvez le retrouver pour une trentaine d'euros. Franchement, ne passez pas à côté, n'écoutez pas spécialement les critiques, ou du moins d'une oreille, il faut se faire son propre avis. Allez-y, essayez, et si ça ne vous plaît pas, voilà, au moins vous aurez testé. Mais pour moi, ça a vraiment été une très belle découverte. Il y a pas mal de crafting aussi, de nouveaux trucs à débloquer, des sabres laser qu'on peut complètement custom, enfin rien que des conneries comme ça, c'est vraiment très cool dans cet univers justement Star Wars. Moi, c'est un grand oui. On passe à la deuxième place. Avec justement sur cette deuxième marche du podium, on va retrouver un jeu qui est un peu vieux, je crois que c'est 2018. C'est le Marvel Spider-Man que j'ai fini assez récemment par le fait, où j'ai quasiment fait le 100%. J'ai fait 99%, j'ai pas plus continué parce qu'après ça me saoulait un peu. Mais honnêtement, ça a été une très très belle découverte pour moi. Vraiment un grand grand plaisir. Des quêtes très très variées, retrouver Spidey. Des années après, moi j'avais fait le Amazing Spider-Man 2 sur PS4 qui était mais à des milliards d'années de Spider-Man, Marvel Spider-Man par Insomniac Games. Vraiment topissime, des quêtes variées, beaucoup de choses à faire, une histoire très très bien foutue, pas mal de méchants, on va dire que ça se décante au fur et à mesure. Et ça nous donne envie de revenir. Vraiment, tout le temps, on revient, on se dit, ah ouais, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire est prenante. À souhait. Vraiment, top, 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 top. J'ai été assez étonné. Je pensais que ça allait être un peu répétitif. Et finalement, non. Non, on doit faire pas mal de choses variées. Mais c'est gratifiant, on va dire. Voilà, c'est assez gratifiant. Il y a des récompenses, des mini-objectifs secondaires. Il y a plein de choses à faire, franchement, un arbre de compétences énorme, il y a des costumes aussi qui sont fous, ça va de Endgame au premier Spider-Man, aux comics, aussi ça passe par Far From Home, il y a plein plein de choses vraiment. Les gadgets aussi, un arbre de compétences énorme. Donc voilà, franchement, Spider-Man, allez-y, c'est vraiment très 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 bon. Il y en a pas mal qui ont dit que c'était répétitif, moi je suis pas d'accord, mais après c'est les goûts et les couleurs, ça on peut rien dire. Et on passe au top 1 en première place, je pense que c'est pas trop une surprise. J'en ai beaucoup parlé sur Twitter, sur Insta, sur ma chaîne, sur les réseaux. Enfin voilà, pour moi, clairement, le jeu de cette année qui est à mon goût le meilleur, The Last of Us 2. Sans grande surprise, il est vraiment devant tout le monde. Je l'ai fait, j'étais abasourdi, j'étais sur le cul, ce que vous voulez. Une aventure incroyable, Ellie, magnifique. Je vous spoil pas plus parce que je suis sûr qu'il y en a qui l'ont pas encore fait. Mais Abby, voilà, Abby, Ellie, c'est magnifique. Joël, voilà. Au bout de 2-3 heures, j'étais déjà sur le cul. Ils m'ont tenu en haleine tout le long, même si c'était peut-être un peu lent pour certains. Moi, j'ai trouvé ça très bien rythmé, très bien narré.
avec juste ce qu'il faut d'action, d'infiltration, d'aventure globale, de lieux découverts, de gunfight. Enfin, je trouve que c'est tout est parfaitement équilibré. La fin est, on touche la perfection pour moi. Je trouve que c'est parfaitement amené, construit. Voilà, c'est clairement ouvert pour moi à une partie 3. Il faut qu'il fasse une partie 3. Y a pas moyen, ça a tellement bien marché que je ne vois pas Naughty Dog ne pas faire de partie 3. Il y a encore tellement de choses à dire ou à faire. Voilà, enfin bref, Last of Us 2, GOTY de loin, franchement, GOTY de loin, et le collector, une pépite, franchement, une pépite. D'ailleurs, il s'est en train de revenir un petit peu. Donc, le gros collector avec la figurine de Ellie qui joue de la guitare, c'est en train de revenir en stock. Un peu partout, on va dire. J'en ai vu sur Amazon à des prix vraiment pas dégueulasses, hein, dans les 160 euros. Sachant que c'était vendu 180 au début. Donc, si ça vous intéresse, allez checker un peu. J'en ai encore vu récemment. Donc, voilà ce qui conclut mon top 10. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 10. Bah, si le mien vous le trouvez correct, ou du moins qu'est-ce qui pourrait manquer. Comme je vous ai dit, il y a plein de jeux de cette année que j'ai pas du tout fait encore. Même de l'année dernière, des très gros jeux que j'ai pas encore fait. Donc, voilà, c'est un top 10 de jeux que j'ai pu faire et que j'ai apprécié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, allez salut!